reproche très souvent au permis de conduire de ne pas être assez accessible en France. Eh bien, le gouvernement vient de prendre 3 arrêtés pour tenter de remédier à cette situation avec une petite révolution. Désormais, les jeunes en conduite accompagnée pourront, à partir de lundi prochain, passer leur permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Les précisions de Vincent Lameau. Un permis moins long et moins cher, c'est ce que promet Christophe Castaner dans les colonnes du Parisien ce matin. Et dès lundi, 3 mesures vont s'appliquer. D'abord, un âge minimal d'accès à l'examen abaissé. Les jeunes qui optent pour la conduite accompagnée pourront passer l'épreuve pratique du permis dès l'âge de 17 ans, au lieu de 17 ans et demi aujourd'hui. Ceux qui ont passé les épreuves avant 18 ans l'année dernière ont eu un taux de réussite supérieur à la moyenne, selon lui. En revanche, pas question de prendre le volant avant 18 ans, car le risque d'accident serait plus élevé. Autre mesure, favoriser la formation sur simulateur de conduite. Elle passe de 5 à 10 heures sur les 20 heures de formation obligatoire. Selon le ministre, l'heure de conduite sera 20 à 30% moins chère. Enfin, le permis boîte de vitesse automatique sera plus développé. Seulement 13 heures de formation obligatoire pour un coût inférieur. Le temps d'attente entre l'obtention du permis boîte automatique et la possibilité de le transformer en permis classique passe à 3 mois au lieu de 6. Pour passer au permis classique, il faudra 7 heures de formation obligatoire en auto-école.